Hey, je vois que ce que tu prépares n'a pas pris du temps, hein. Akamba, tu es encore ici au Cameroun. Je te croyais loin de la misère qui entre ta famille et toi. C'est aujourd'hui qu'on va voir qui est qui. Et en plus, vous êtes allé traîner votre vieux oncle du village. Pour venir, pour qu'il me tape, ou bien quoi? Hé, je ne te permets pas. Tu es vieux. Il fallait me goûter. Tu allais me confirmer. Il fallait me goûter seulement un peu comme ça. Tu allais me confirmer, vieux. C'est comme si je suis invisible ici. Invite-nous à s'asseoir. Qui? Qui vous invite à s'asseoir? Hein? Oh, la chaise, c'est pour mes clients. Bonjour mademoiselle, comment tu vas? On m'a toujours dit que les hommes petits de taille sont nuisibles. N'ai-je pas dit pour me chercher? En fait, je te cherchais parce que hier j'ai perçu mon salaire et j'ai dit que je ne dépenserais même pas 5 francs si ce n'est toi. Tu commences à être intéressant toi. Fallait commencer par là que de m'embrouiller avec les... C'est combien? Non, c'est pas grave. C'est suffisant, c'est tout? Ce n'est rien. Bientôt, j'aurai une promotion dans mon entreprise. Et il y en aura plus. Ok, bonne nouvelle, bonne journée. En fait, j'ai pas encore ton prénom. Sunita. Ok, Sunita. Yes! Maman Choco. Tu m'as jugé incapable d'assurer la relève quand mon grand frère est décédé. Maintenant, la simple chaise que tu me refuses. Le lavage, hein? Tu es en France. J'ai dit les chaises, c'est pour mes clients. Allez chercher vos chaises que vous avez quittées du village avec. Je ris seulement. Maman Choco, toi là. Dans toute ta vie, tu as déjà eu un jour de travail. Vraiment. Tu as déjà eu à travailler de tes mains. Ou même. Tout ce que tu possèdes là, c'est mon frère qui te l'a laissé. Normal. Puisque nous étions mariés. Je ne sais même pas pourquoi vous avez le nez de cafard. À mon avis, allons tout droit au but. Je vais dire dans le vif du sujet. Maman Choco, tu le sais faire bien. Depuis que mon grand frère est décédé, on n'a pas eu assez de temps pour s'asseoir et en décider de partager des biens. Donc si nous sommes là, c'est pour cela. Je vois que ce que tu as vécu la dernière fois au village ne t'a pas servi de leçon. Hein. Partager que bien. Il n'y a rien à partager ici. Tu as des biens au village, non? Tu peux bien partager et puis tu donnes pour tes soeurs. Maman Choco. Comment est-ce qu'on peut partager les biens de quelqu'un qui est encore vivant? Voilà! Alors qu'on a notre défunt frère qui a laissé autant de choses. Voilà! Mmh. Ce que vous pensez de moi, ça me gratte pas même un peu. J'ai toujours dit que la femme fille est criminelle. Mmh. Ah, c'est toi qui avais dit. Mon frère n'est pas mort d'une mort simple. Voilà! Mais en tout cas, comme nous sommes là, ça ne va pas s'arrêter là. Hein. Tu vas voir. Tu as tué mon frère. Tu as bien manigancé son plan. Tu as tué mon frère. Tu es hérité de ses biens. Quel argent? Demain, l'est ton argent. Quoi? C'est encore quelle histoire, ça? Il s'agit de quelle histoire, là? Cette femme ne m'a rien remis comme argent. Je m'en doutais pas de sa réaction. Vous êtes toutes les bangues des hypocrites. Il t'est déjà arrivé, toi, l'oncle, de te poser la question à savoir... Si depuis le temps que ton grand frère est mort, les enfants vont à l'école, ils mangent, tu viens, quitte du village comme ça, tu viens parce que tu veux partager les biens. Là, je te coupe. Je te coupe, madame. Mon grand frère a laissé des maisons et des chambres en location. Et c'est ça que tu viens revendiquer. Tu es un cultivateur, non? Tu as les biens au village. On cultive au village le manioc, le maïs, le plantain. Tu es venu avec quoi? Hein? Tu es venu avec quoi? Pourtant, tu sais très bien que votre frère, depuis qu'il est mort, les enfants sont là, ils ne mangent pas. Tu viens revendiquer les biens.
même les pluies de maïs, rien. Tu couilles à pour venir revendiquer le bien de ton frère. Hé, hey, arrête sa vie. Ne le fais pas se culpabiliser. Tu as compris? Arrête avec ton jeu de mots là. Tu es une manipulatrice, je te connais assez. On te connaît. Bon, je crois que je vous ai accordé beaucoup de mon temps. Libérez le plancher. Quittez devant mon cafétéria. Maman Choco, on ne bouge pas. On ne bouge pas d'ici sans savoir comment est-ce qu'on va se gérer les biens de mon frère. Tu te prends pour qui à la fin? Hé, Akama, comme toi comme ça là, je gère même. Parce que vous êtes en train de vous agiter là. Maman Choco, si tu te crois femme, fais encore un pas. Nous ne sommes pas venus ici nous bagarrer. On est là pour chercher un terrain d'entente. Akamba, partons d'ici. On va revenir. Partons. Vous avez la chance. Allons, oncle. Akamba, laissons là, on part. Toi et moi, jusqu'à ce que laissons-la. La course de l'enfant finit le matin. C'est ça. Ne te gêne pas. Allons, laissons-la croire qu'elle a gagné le tour. Je vous attends ici. Laisse le retour de ça. Tu vas. Je vous attends ici. Parle de tes affaires. C'est mon agent. Hé, hey, Kameni. Ma journée d'aujourd'hui ne doit pas finir en prison. Je lui file qui porte ton hasard. Regarde comment il est. En tout cas, je m'en vais. Je reviendrai. Tu auras de mes nouvelles. De quoi? Que tu peux faire quoi? Tu auras de mes nouvelles. Regarde comment tu es. Macabo. Tu es là comme je sais. Je ne veux pas t'insulter. Tu as compris? Tu reviens encore. Je vais te plier en deux. Comme tu es comme la tisse là. Comment? Faut vous méfier de moi, hein. Je ne reste pas à gauche, je ne reste pas à droite. Quelqu'un ne vous pas m'emmener encore le pied ici. Vous aurez de mes nouvelles. C'est bien quoi cette journée-ci? Un jour est arrivé, le mari est décédé. Le calvaire a donc vraiment commencé pour la veuve femme. La veuve femme aujourd'hui l'a nommée Mamie Choco, mes amis. Tami. Elle est dérangée, tous les jours, mais tes amis, c'est la vente de son mari. Puisque sa belle famille ne lui donne pas le nom. Les menaces de qui du café, famille, toi aussi. Elle met la maman Choco, elle ne peut pas passer. Quand et comment? Tout à l'heure, venant se rencontrer, elle m'a donné son prénom. Je lui ai donné tout mon salaire. Quoi? Attends. Tu as changé tout ton salaire pour un prénom? Samy, c'est pour l'amour que j'ai fait. C'est pour l'amour, Samy. Mais tu viens simplement de dire à cette fille que tu es son arbre d'argent? Comment ça, Samy? Si ça t'intéressait tant, tu m'aurais informé avant d'agir ainsi. Samy, je te dis que j'ai son prénom, tu dis que je laisse tomber. Si tu n'es pas, c'est ça. Je suis en retard, je m'en vais au boulot. Attends, Samy, attends, tu fais comment pour avoir son prénom? Samy! Samy! It looks like you lost another one.